Et maintenant, ça va chier des bulles. La chronique BD 220 sur AFP Rock Radio. Bonjour les gens. Comme ça faisait 2 semaines que je vous parlais du Jeanne d'Arc de Fmur, j'ai eu envie de continuer sur ma lancée en vous présentant Le Pauvre Chevalier. Une autre histoire de Fmur se déroulant au Moyen-Âge. Il s'agit de celle d'un petit baron dont il ne reste plus que les titres de noblesse. Baron nul, comte de surnombre, marquis de trop, seigneur de Camelot, etc., etc. Il ne lui reste plus que ses titres ridicules car il a tout perdu, ses terres et son château, à cause d'une veste. Auparavant, sa déchéance était déjà entamée, mais ce manteau a précipité sa chute. Pour faire bonne figure à la cour du roi Artus à laquelle il s'était rendu, alors qu'il n'avait pas été vraiment convié, suite à une erreur de courrier, l'indigent baron avait investi les restes de sa maigre fortune dans cet habit d'apparat. Hélas, devant l'assemblée de chevaliers réunis autour du roi Artus, il s'était pris les pieds dans ce manteau trop grand pour lui et il était tombé la tête la première entre Lancelot et la reine sous la fameuse table ronde où il avait constaté sans le vouloir que la main du premier était posée sur le genou de la seconde. Témoin d'une affaire d'État, la relation adultérine de Lancelot du Lac et de la reine Geneviève, le pauvre chevalier fut dépossédé de ses biens et condamné à errer, rejeté de tous. Alors, le malheureux erre sur les routes, sans but aucun et moqué sur son chemin. Son cheval, sans arrêt, pleure car il a connu des jours meilleurs. Quand il s'arrête dans une auberge, l'aubergiste donne au chevalier à manger la pâtée du chien et le fait dormir dans sa niche. À son réveil, son cheval a été abattu, équarri et dépecé pour payer sa note. Au moins, son cheval ne pleurera plus. Ainsi va sa vie misérable, sans espoir aucun. Lorsqu'il raconte sa vie d'avant son ostracisme, on se rend compte qu'en fait, il en a toujours été ainsi, et qu'il n'a jamais trouvé sa place dans ce monde brutal et sanguinaire. Il y a des êtres qui ne connaissent pas la joie, on dirait même que s'amuser les ennuie profondément. Au Moyen-Âge, le loisir de l'élite, c'était le massacre. Il était tellement exaltant d'oxyre, c'était tellement le pied d'arracher des têtes et de transpercer des corps, que dans cette BD, même l'archevêque n'hésite pas à s'éclater sur le champ de bataille. Comme sa charge lui interdit d'utiliser une arme, il se sert donc d'une hache, qui techniquement est un outil et non une arme. Eh bien, figurez-vous que quand l'occasion est donnée au baron niais de guerroyer, il rechigne à la tâche. M'est avis que ce noblion, pacifiste avant même que l'idée du pacifisme ne germe dans la tête de l'homme, ce noblion, disais-je, n'est pas contre la violence parce que ça l'effraie, mais parce que ça l'emmerde. Il ne voit pas l'intérêt de s'amuser, il est triste à mourir et d'ailleurs, à la fin, il meurt. Alors que sa maigre dépouille donne le spectacle d'une ascension vers le ciel, un plaisantin lui décoche une flèche en pleine tête et il retombe au sol. Jusqu'au bout, il aura échoué, même sa mort, il l'a raté. Outre le défi de dessiner une histoire de plusieurs dizaines de pages sur la vie inconsistante et la vacuité de l'existence d'un pauvre air, tantôt résigné, tantôt déprimé, je vois dans ce récit un hommage aux lointaines origines de la BD. Les glorieux ancêtres de la narration séquentielle d'aujourd'hui que sont les gravures et les enluminures médiévales. Les scènes de bataille de cet album semblent tirées de la tapisserie de Bayeux. Cette broderie longue de 70 mètres, célébrant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie au XIe siècle. En toile de fond, j'ai savouré les interventions de Jeanne d'Arc et de Robin des Boîtes, qui s'immiscent dans le décor pour apporter joie et beuverie à ce road movie moyenâgeux. Vous trouverez ce pauvre chevalier de Fmur chez Dargo, au prix de 12 euros. Il fait 60 pages et je vous propose de vous l'offrir. En effet, je viens de lancer une collecte de fonds sur KissKissBankBank pour financer l'impression d'une bande dessinée que j'ai faite qui s'appelle Enyarf. Eh bien, j'enverrai un exemplaire de cette BD, Le Pauvre Chevalier de Fmur, à la première personne qui donnera 20 euros ou plus à mon projet d'Enyarf sur KissKissBankBank. Pour cela, rendez-vous sur 120bd.fr/kiss. Allez, bisous tendresse et à la semaine prochaine! Vous venez d'écouter « Ça va chier des bulles », la chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Vous pourrez réécouter cette chronique samedi à 10h et lundi à 7h30.